Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez bien entamé votre mois de mai et que vous profitez grandement, pleinement du printemps. Ça fait du bien. Alors aujourd'hui, mes chers amis, on se retrouve pour les énergies générales du mois de mai 2019 pour le signe du Scorpion. Alors bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à l'habitude, je commence toujours par vous rappeler que les tirages ici sont des tirages d'ordre général, hein, qu'il se peut que vous ne soyez pas concernés, que tous les scorpions ne soient pas concernés par ce tirage. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir la vidéo concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant pour un complément d'information. Je vous rappelle également que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors, ma petite clé de la destinée est ici simplement pour vous le rappeler, hein. C'est un symbole pour vous rappeler que vous avez vraiment le plein pouvoir sur votre vie, sur la direction que vous allez donner à votre vie également et qu'à tout moment, vous pouvez changer le cours des choses si quelque chose ne vous plaît pas. D'accord? Alors voilà. Donc on va commencer tout de suite pour vous. Si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, sachez que je suis disponible pour le faire pour vous. Alors vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Je me ferai plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Donc mes chers scorpions, vous avez un beau tirage, je crois. Donc, c'est un beau tirage, tout dépendant de ce que vous allez décider. Alors, je m'explique. Le tirage concerne le travail ou bien un projet que vous avez en tête, hein, que vous êtes en train d'élaborer. Donc, on le voit déjà ici en partant avec la belle carte de l'impératrice. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ici, cette carte-là vient nous dire que certains d'entre vous, vous êtes en train justement d'élaborer un projet qui vous tient à cœur, hein, qui est très précieux pour vous. L'impératrice nous parle en général de beauté, hein, donc c'est un beau projet que vous avez en tête peut-être depuis un certain temps. Et vous avez l'intention et l'envie de faire en sorte que ce projet puisse émerger et que les gens puissent aimer ce projet aussi et en profiter. D'accord? Donc, très beau projet en vue pour vous. Par contre, il y a quelques bémols dans votre tirage. C'est-à-dire qu'on continue avec le 7 de coupe. Alors ici, le 7 de coupe nous dit que vous avez un beau projet, hein, mais que vous vous laissez distraire peut-être par certaines choses dans votre vie. Quand je parle de distraction, c'est peut-être que vous avez trop de choix, peut-être que votre projet, vous mettez trop d'aspects peut-être dans ce projet, peut-être que votre projet n'est pas tout à fait assez précis, peut-être aussi que vous laissez distraire par certaines autres personnes ou compétitions, hein, compétiteurs. Donc, on voit ici là qu'il y a comme une certaine confusion, d'accord? Donc, ce que je vous dirais, c'est de préciser davantage votre projet, dans quelle direction vous voulez que ça aille, que ce ne soit pas confus, hein, que vous respectiez une certaine ligne directrice et que vous soyez vraiment précis dans ce projet, dans ce que vous voulez faire de ce projet, d'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, je n'y ai pas pensé, là, mais je vais essayer de vous trouver un exemple. Vous décidez de faire un projet, par exemple, de magasin d'accessoires de bébé, exemple. Alors, vous décidez de faire un magasin d'accessoires de bébé et ce qu'on retrouve dans votre projet, bien, on va retrouver, par exemple, des articles pour chiens ou pour animaux. Alors, c'est juste un exemple pour vous. Et on va retrouver aussi, par exemple, des produits nettoyants ou des. C'est un exemple que je vous donne simplement que parfois on voit très grand pour notre projet.
Alors, il faut essayer de préciser le projet, hein, de faire un entonnoir pour pouvoir savoir exactement où est-ce qu'on se dirige. Parce que parfois, on met beaucoup trop d'éléments et ça crée une certaine confusion. D'accord? Alors, mes exemples n'étaient peut-être pas très bons, mais c'était simplement pour vous montrer que souvent, on peut se laisser aller à certaines idées. Et que notre projet ne soit pas trop précis. Donc, à ce moment-là, on fait en sorte que le projet ne prenne jamais naissance. On continue avec le 5 de denier. Alors, ici, le deuxième hic, le deuxième bémol, si je peux dire, de votre tirage, hein, le 5 de denier, ça nous dit que probablement que vous... Il semble qu'il vous manque quelque chose, hein, quelques ressources pour vous aider dans votre projet ou pour mettre sur pied ce projet-là. Vous allez peut-être avoir besoin d'une aide supplémentaire, hein. Peut-être que vous avez déjà demandé de l'aide, que ce soit au niveau des ressources financières, des ressources en main-d'œuvre, peu importe, hein, la source d'aide, mais vous allez avoir probablement encore besoin d'aide pour que ce projet se réalise. Par contre, le problème, c'est que vous hésitez ici à accepter l'aide qu'on vous propose ou simplement accepter le fait d'avoir besoin d'aide ici. Et c'est peut-être par simple orgueil, hein. Donc, faites attention parce que ça pourrait vous coûter très cher si ça pourrait vous coûter votre projet en fait si vous refusez l'idée d'avoir besoin d'aide et si on vous propose de l'aide et que vous refusez, ça pourrait vous coûter votre projet. Donc, faites attention à ça ici. J'ai l'impression que vous allez réussir à piler sur votre orgueil éventuellement parce qu'on a deux belles énergies rapides et fiables qui s'en viennent ici pour vous. On commence déjà avec le chevalier de denier. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est que d'après moi, vous aurez de l'aide qui va vous venir au niveau financier. Hein? Donc, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de responsable va peut-être vous venir en aide au niveau financier. Et vous avez aussi de l'aide avec le chevalier de bâton, quelqu'un de l'aide au niveau des compétences probablement. Donc ici, le chevalier de bâton, c'est une énergie rapide, une énergie vive. Quelqu'un qui est très travaillant. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine et qui va vous apporter des ressources au niveau de ses compétences. Hein. Peut-être qu'il va vous donner beaucoup de, il ou elle, hein, va vous donner beaucoup de conseils et peut-être même aussi vous offrir de vous donner des gens pour vous aider. À mettre à jour votre projet. Donc, compétences, main-d'œuvre peut-être, ou en tout cas des gens qui sont prêts à travailler pour vous aider ici. Alors, soyez conscient que ces deux personnes ou ces deux énergies, ce sont des gens sur qui vous pouvez compter, des gens qui sont fiables. Et qui pourrait que grâce à ces personnes-là, votre projet pourrait prendre vie plus rapidement que prévu. D'accord? Alors, c'est un très beau tirage, mais ça dépend tout simplement de votre décision hein, d'accepter ou non l'aide ici qui vous est proposée ou qui vous sera éventuellement proposée. Ensuite de ça, on a le 3 de denier. Mais le 3 de denier inversé. Alors, mes chers scorpions, ce que vous allez devoir prendre conscience, en fait, c'est que vous allez devoir travailler sans relâche par la suite. Une fois que votre projet va être mis sur pied, hein, parce que là, présentement, on voit que vous êtes dans le processus d'élaboration en ce moment, mais que les choses peuvent changer très rapidement hein, parce que vous allez avoir de l'aide ici, de l'aide de gens très compétents. Alors les choses peuvent changer très rapidement. Donc peut-être ça sera
imprévu, hein, que ça prenne vie aussi rapidement. Donc, vous allez peut-être être un peu déstabilisé par ce fait, hein, par le fait que le projet prendra vie très rapidement. Alors, une fois que ça sera mis sur pied et que ça prendra vie, vous n'aurez pas le choix de travailler sans relâche ici. Parce que là, on voit une petite énergie, une petite baisse d'énergie, peut-être un peu de paresse ici, hein, vu que le 3 de denier est inversé. Ça va vous prendre beaucoup de méticulosité et beaucoup de, comment je pourrais dire, d'entrain pour travailler, hein, à votre projet. Vous allez devoir vraiment travailler sans relâche et y mettre du vôtre, hein, pour maintenir le projet vivant. D'accord? Alors, simplement ici, il faut faire attention à cette carte qui est inversée, qui nous parle d'un petit peu de paresse. Paresse, mais aussi peut-être le fait de voir que votre projet va très bien, hein, une fois que ça sera mis sur pied et que vous aurez eu l'aide nécessaire, le fait de voir que ça va très bien rapidement, vous aurez peut-être l'impression que vous pouvez vous relâcher un peu, que vous pouvez laisser aller les choses d'elles-mêmes, que ça va aller de soi. Mais non, faites attention, ne vous asseyez pas sur vos lauriers. Plutôt redoublez de travail, hein, redoublez d'énergie pour ce travail, pour ce projet, parce que vous pourriez perdre tout ce que vous avez bâti. Alors, soyez courageux, courageuse, éventuellement, les choses vont peut-être aller d'elles-mêmes, mais pour le moment, ne soyez pas trop pressé de vous reposer. On continue avec la belle carte de la mort, hein, la carte de la mort que beaucoup de gens ont peur, hein, de cette carte de la mort. Alors ici, il ne s'agit pas de la mort physique nécessairement de quelqu'un. Dans ce tirage-ci, c'est plutôt qu'il y aura, parce que je viens de vous dire que vous ne devez pas vous relâcher au niveau de l'énergie que vous mettez à votre projet. Donc, bien évidemment, hein, le fait que je vous dise ça implique que vous allez devoir probablement faire beaucoup de changements dans votre vie, dans vos habitudes, hein, changer vos habitudes et que vous allez devoir éliminer tout ce qui peut nuire à votre projet. Alors, beaucoup de changements, c'est-à-dire que, par exemple, si vous aviez l'habitude de travailler de 9 à 5 et que vous rentriez à la maison, vous reposer un peu, prendre le repas, vous détendre devant la télévision et aller vous coucher par la suite pour recommencer une nouvelle journée le lendemain. Bien ici, vos habitudes vont peut-être changer. Peut-être qu'au lieu de faire du 9 à 5, vous allez faire du 4 heures le matin à 8 heures le soir, par exemple. C'est un exemple que je vous donne, hein. Vous allez redoubler d'énergie, de travail. Peut-être que vous allez passer beaucoup moins de temps en famille pour accorder plus de temps à votre projet pour un certain temps. Alors, c'est dans ce sens-là, hein, qu'il y a des changements qui s'en viennent pour vous, que vous devez accueillir ces changements-là, hein, sachant que ce n'est que pour un temps, pour vous permettre de faire en sorte que ce projet soit le plus beau possible, si je peux dire. Alors, acceptez les changements qui s'en viennent, les accueillir, et le changement d'habitude aussi. Éliminez aussi tout ce qui peut nuire à votre projet, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être si vous aviez l'habitude de sortir toutes les fins de semaine avec vos amis pour vous détendre, bien peut-être que cette fois-ci, pour ce projet, hein, ça sera des choses à changer. Vous allez devoir éliminer peut-être des habitudes que vous avez prises, hein, peut-être beaucoup d'alcool pendant le week-end ou bien peu importe, hein, les choses que vous devez changer et éliminer pour vous consacrer entièrement à votre projet. Voilà pour ça. Et on termine finalement avec la carte du 5 de coupe inversée. Alors, tout va pour le mieux pour le moment. Alors, vous êtes optimiste, hein, ou bien vous êtes optimiste, ou bien vous allez l'être éventuellement parce que vous êtes encore au stade d'élaboration. Donc, vous êtes optimiste pour la réussite de votre projet.
Et on voit que la chance vous a souri ou bien la chance va vous sourire dans ce beau projet. Hein. Vous n'avez rien à regretter, vous n'aurez rien à regretter si vous faites les choses adéquatement, si vous acceptez l'aide qu'on vous propose de ces gens qu'on nous dit fiables ici. Alors, rien à regretter, optimisme pour la suite des choses. Et tout ce que vous voulez, c'est que votre projet, en fait, soit un beau projet, soit bien monté, que vous pouvez offrir des choses intéressantes aux autres. Donc, acceptez l'aide que vous allez recevoir ici et surtout ne relâchez pas. Travaillez d'arrache-pied pour la réussite de ce projet. Donc voilà un beau tirage pour vous pour le mois de mai, mes chers scorpions, pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors j'ai pigé deux cartes supplémentaires pour vous aider dans ce tirage. Une carte du message des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés. Et une carte aussi d'affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer dans votre projet, dans votre tirage ici. Alors première carte. Donc, le message des anges, archanges et maîtres ascensionnés, il s'agit de la carte chakra racine. Alors, je vous montre la carte. Très belle carte, une carte très vive, hein, beaucoup de couleurs vives, de feu, d'énergie, du travail. Donc, ça va très bien avec votre tirage aujourd'hui. Cette carte-là vous dit, demandez à ce que toutes vos préoccupations, peur ou insécurité soient transmutées en amour et tous vos besoins seront divinement comblés. Alors, demandez que toutes vos préoccupations ou bien votre orgueil ici, hein, d'accepter l'aide ici, ou insécurité, parce que peut-être que vous avez peur de ce que les gens peuvent penser de vous, hein, si vous demandez de l'aide, vous avez peut-être peur que les gens disent que vous n'êtes pas capable d'y arriver seul, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans notre esprit parfois. Alors, demandez l'aide, demandez en fait que vos peurs et vos insécurités soient transmutées en amour, hein. Sachez que soyez convaincus que ce que vous faites présentement, le projet que vous montez, c'est à partir de l'amour, hein, c'est l'amour qui vous a poussé à faire ça, soit l'amour du projet, soit l'amour pour votre famille, pour vous-même, pour les gens que vous allez aider à travers ce projet, hein. Donc, il y a une notion d'amour qui vous a donné l'élan d'élaborer ce projet. Et si vous faites ça, soyez sûr que tous vos besoins vont être divinement comblés. D'ailleurs, on le voit ici que vous recevez l'aide, hein? Vous allez être comblé avec l'aide qu'on va vous proposer ici. Alors, je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le chakra à racine. Donc, pour cette belle carte ici, on vous dit chakra de l'enracinement. Donc, vous devez vous ancrer, vous enraciner. Sa couleur est le rouge et il représente l'élément terre. Ce chakra est situé à la base de la colonne vertébrale. Ses principales fonctions sont la survie, les besoins de base, l'abondance et la prospérité. Les glandes correspondantes sont les gonades. Il est relié aux reins. Vous savez, les reins, hein, souvent même dans la Bible, on dit que les reins sont la force, hein. Donc, il est relié aux reins, à la colonne vertébrale, à la lymphe, à la vessie et aux organes sexuels et aux os. Quand il est équilibré, vous avez une grande vitalité physique. D'accord? C'est ce dont vous avez besoin ici. Un état de bien-être et sentiment d'être ancré et centré. Vous êtes affectueux et confiant. Par contre, si l'énergie est en excès dans ce chakra, vous aurez beaucoup d'agressivité et serez dominateur, voire même égoïste. Si ce chakra est en manque d'énergie, il y a risque de devenir apathique, dépressif, de manquer de volonté, de confiance en soi, de se sentir en danger, d'être anxieux et inquiet. Alors voyez-vous ici le relâchement dont je vous parlais, hein, si vous ne donnez pas d'énergie à votre chakra racine, vous risquez de devenir apathique, un peu paresseux, dépressif aussi, hein, surtout si vous n'acceptez pas l'aide
qu'on vous offre, peut-être que vous pourriez devenir dépressif. Vous allez manquer de volonté pour continuer dans votre projet et même de confiance en vous-même aussi. Les besoins physiques sont vos principales préoccupations. Vous ne vous sentez pas bien ancré. Faites une demande d'ancrage et de purification du chakra racine avec le rayon blanc. Donc, visualisez un rayon blanc pour venir purifier votre chakra racine, pour vous sentir davantage ancré. Alors voilà une très belle carte, hein? Et maintenant, j'ai pigé aussi une carte d'affirmation, donc une affirmation qui peut vous aider, vous guider ou vous éclairer. Et il s'agit de la carte Renaissance. Très belle carte, hein? On voit un phénix qui renaît de ses cendres ici. Alors, Renaissance vous dit, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc, acceptez ce nouveau projet. Peut-être que vous venez de loin, hein, certains d'entre vous, peut-être que vous avez travaillé dans des entreprises où vous n'étiez pas reconnu, par exemple, ou bien que vous ne trouviez plus d'intérêt à travailler à cet endroit. Alors ici, on vous parle de renaissance et probablement que ce projet que vous voulez mettre sur pied, ça correspond un peu à votre mission de vie. Alors si vous réussissez à mettre ce projet sur pied, vous allez être en harmonie avec vous-même et vous allez renaître de vos cendres, hein, ou renaître de... Oui, c'est ça, de renaître de vos cendres. Après avoir passé peut-être plusieurs années à faire un travail qui ne vous plaisait pas ou qui ne vous plaisait plus. Donc, je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour la Renaissance. Alors, pour cette carte ici, donc ça vous dit, aujourd'hui, j'éprouve de la gratitude pour les épreuves de la vie, car je vois combien elles m'ont enrichi. Je sais que toute brisure m'a permis de me renforcer. Je sais que le vent tourne en ma faveur, que la nuit noire achève et qu'un jour nouveau se lève, car la lumière est de retour. J'ai bien complété ce qu'il me fallait faire et je suis prêt pour ce nouveau départ. Je rayonne car l'univers entier m'appartient. Alors, très belle affirmation à vous répéter. Alors, tout à l'heure, je vous parlais peut-être que vous ne vous plaisiez plus dans votre travail, hein, mais peut-être aussi que vous avez perdu un emploi et que vous vous retrouvez sans emploi. Donc, vous avez décidé peut-être de créer quelque chose par vous-même. Alors, ça vous permet de renaître également. Donc, très belle affirmation pour vous. Alors voilà, mes chers scorpions, c'était votre tirage pour le mois de mai 2019. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a permis d'explorer quelques pistes de solutions ou de réflexions. Alors, que ce message vous ait parlé ou non, en totalité ou en partie, s'il vous plaît, vous pouvez, si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide également. Dans notre travail, ça nous encourage à continuer. Aussi, de partager la vidéo, c'est très important parce que même si le tirage ne vous a pas parlé en totalité, peut-être que d'autres personnes n'attendent que ce message, hein, pour se donner un coup de pied dans le derrière pour continuer ou pour avancer. Alors, important de partager également les vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous souhaite, mes chers scorpions, de passer un très beau mois de mai, de prendre soin de vous, d'avoir confiance en vous, hein, de ne pas vous relâcher, hein, mais bien de continuer votre beau travail parce que vous êtes en train de faire jaillir votre lumière personnelle. Alors, le monde a besoin de la lumière de chacun, que chacun peut apporter en ce monde. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Merci et au revoir.